Nós temos a honra de receber aqui em São Paulo, hoje, para o 57º encontro do Fórum de Acidentes do Trabalho, o professor René Amalberti, que gentilmente concordou em participar agora pela manhã dessa entrevista, uma conversa sobre os assuntos relacionados à sua atividade profissional, sua vida no campo da segurança, né? E para conduzir essa entrevista, a gente tem também hoje aqui a ajuda do colega e amigo Raoni, da Unifei, da Bira, né? Então, Raoni, bom dia, professor René, bom dia, Raoni, bom dia a todos que estão aqui. E, por favor, Raoni, sinta-se à vontade. Donc, bonjour René, tout d'abord Bonjour. merci beaucoup pour être là et pour nous donner l'occasion de discuter sur les questions de sécurité. C'est un grand plaisir pour nous de pouvoir discuter sur vos travaux. Pour commencer la discussion, donc, vous pouvez faire une brève description de votre trajectoire personnelle et puis les idées principaux et les approches principaux que vous avez développées jusqu'ici. Et j'ai commencé par une formation de médecin et j'ai été jusqu'à l'internat de psychiatrie et puis je voulais faire de la recherche sur le risque des personnes qui ne sont pas malades mais qui ont des postes à responsabilité et qui sont en difficulté psychologique simplement. Et je n'avais pas trouvé de professeur à cette époque qui était intéressé dans ce domaine. Et donc je suis parti chez les militaires qui m'ont offert un poste de recherche. Et même chez les militaires, personne n'était intéressé. Et j'ai donc décidé de regarder du côté de l'aviation pour apprendre les domaines de la sécurité qui, à l'époque, n'intéressaient pas le domaine médical. Dans l'aviation, je me suis intéressé très vite aux avions de combat, mais et aux pilotes qui avaient cette responsabilité, mais aussi aux pilotes civils. C'était l'arrivée des avions automatisés, des Airbus qui étaient totalement automatisés. Et j'ai eu la chance de passer un an à Airbus. J'ai été formé sur A320 et j'ai appris à véritablement comprendre quelle était la difficulté de ces professionnels à gérer ces avions complexes, en venant de pays différents, en ayant des cultures différentes. Et à la suite de cela, assez naturellement, je me suis retrouvé à un interministériel détaché dans l'aviation civile pour gérer ces problèmes au niveau européen, de la sécurité des vols. Mais pendant toute cette période, en parallèle, à partir de 1986, j'étais très très proche de Jens Rasmussen et Jim Reason. J'étais une semaine par mois avec eux pendant 4 ans. Vraiment très bien. Et c'était avant que Jim Reason ne publie sur l'erreur humaine. Et donc, c'était un moment d'apprentissage. J'étais très jeune, c'était un moment extraordinaire d'apprentissage. Et je suivais des cours à l'université Paris 8, et donc j'ai fait un cursus de psychologie cognitive après ma psychiatrie. Et c'était un bon complément pour comprendre l'homme normal, pas uniquement l'homme pathologique. Et j'ai travaillé 10 ans dans l'aviation en étant assez éloigné du domaine médical, mais en poursuivant pas mal d'encadrements de thèse et dans différents domaines, et notamment dans la pêche, mais aussi dans le nucléaire, donc des étudiants qui me faisaient découvrir d'autres univers. Et puis quand j'ai quitté mes positions dans l'aviation, au bout de 10 ans, je suis revenu sur le secteur de la santé avec à toute fin des années 90, le début de la sécurité dans le domaine de la santé. Avant, il n'y avait rien. Et c'est les Américains qui ont poussé le mouvement. Donc j'étais avec Jim Reason
qui était très proche d'eux, il m'a réintroduit chez eux, et donc c'était très très une amitié avec eux. Et assez vite, le mouvement est parti en France, j'ai fait ce mouvement. Mais en parallèle, j'ai toujours fait des choses en parallèle. Le ministère des Transports, qui me connaissait bien, puisque j'avais été dans l'aviation très longtemps, m'a demandé de prendre la direction du programme national de sécurité des transports terrestres, rail, train, route, et que j'ai dirigé pendant 10 ans. Et donc, c'est cet univers c'est ces différents univers qui ont construit progressivement ma vision de la sécurité. Comprendre pourquoi des hommes qui sont dans différents secteurs ont des gestions de la sécurité si différentes. Et ça, au début, j'étais très centré sur les individus, puis petit à petit sur le management. Et à la fin, je suis de plus en plus dans la gouvernance des systèmes à risque et dans la politique de gestion de ces systèmes. Et ces cases sont toutes liées les unes aux autres. Super. Et puis, c'est votre livre Piloter la sécurité qui a été traduit comme gestion de sécurité, gestion de la sécurité chez nous. Il est parti un peu de votre expérience, surtout dans l'aviation civile. Mm-hmm. Et il amène quelques concepts qu'on voulait comprendre un peu plus. Mm-hmm. Donc, le premier, la compréhension et l'amélioration de la gestion individuelle des risques dans les postes de travail. Le deuxième, la question de la gestion systémique, vous avez dit. Mm-hmm. Là. Et le troisième, la gouvernance, donc des systèmes de gestion. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez détailler un peu plus Très simplement, au niveau individuel, notre cerveau est puissant, mais il ne peut pas tout voir, tout comprendre, tout faire, sur l'instant et pour plus tard, en permanence. Il est limité. Cette limitation est simplement humaine. Tous les humains sont limités par leur vision. Et pour gérer des situations complexes, les humains vont développer un compromis. Et ce compromis va être un compromis entre le contrôle de ce qui est externe, qu'est-ce qu'il faut faire à minima pour arriver à ce qu'on veut faire, tout en consommant pas trop de ressources pour pas trop s'épuiser au niveau cognitif. Et c'est finalement cet ajustement qui explique fondamentalement que les humains ne cherchent pas à éviter toutes les erreurs. Parce qu'éviter les erreurs, comme une obsession, ça serait une condamnation à ne pas faire le travail. On ne pourrait pas faire le travail si on voulait éviter les erreurs. On serait tellement en mobilisation de sa cognition, tellement saturé, tellement lent, parce qu'il faudrait aller doucement pour éviter les erreurs, qu'on ne serait pas rentable, aucune usine voudrait nous embaucher, on ne pourrait pas faire le travail. Et ça ne correspondait pas du tout à un usage intelligent du cerveau. Donc, à cause de ces limitations, le pari, c'est de faire le travail en prenant des risques, en acceptant qu'on fasse des erreurs, en regardant devant plutôt que tout de suite, l'anticipation permettant de contrôler la situation et de savoir où on va s'exposer au risque, en évitant les zones où on a des risques trop grands. Et évidemment, les erreurs, on va essayer, non pas de les éviter, mais de les détecter. Et donc, l'humain est un extraordinaire détecteur de ses propres erreurs. Et non seulement il les détecte et il les récupère, 9 sur 10, mais en plus, les erreurs qu'il fait lui donnent un indicateur en retour du niveau d'attention qu'il doit avoir. Et en prenant conscience des erreurs, on prend aussi conscience du contrôle de la situation. Et donc c'est un merveilleux système qui n'évite pas l'erreur, mais qui se sert d'erreur pour travailler vite, en routine, et avec une capacité de sécurité assez efficace. Et pour finir, si on accepte ça, il ne faut pas compter les erreurs,
il faut compter les récupérations. Si on veut comprendre la qualité du cerveau humain. Super. Et là, dedans, il y a donc le concept que vous développez dans le livre de compromis cognitif, c'est ça? C'est ça. Le compromis cognitif, c'est... J'ai deux sources de contraintes. Une qui vient de l'extérieur, je conduis ma voiture, je dois rester sur la route. Et je dois rester avec des contraintes de feu que je dois respecter, de véhicules. Donc j'ai un extérieur, un monde, avec une tâche à faire. Mais en même temps, j'ai un cerveau qui lui-même est limité, et donc j'ai un monde intérieur. Et le compromis cognitif, ça va être le réglage entre je peux pas, je pourrais voir beaucoup, beaucoup de choses à l'extérieur pour conduire. Je pourrais faire attention aux panneaux publicitaires dans le détail. Je pourrais regarder qui sont les gens qui conduisent les voitures autour de moi. Mais est-ce que j'ai besoin de faire ça? Parce que chaque fois que je fais ça, je consomme de l'énergie dans mon cerveau. Et donc, le réglage, ce sera de regarder juste ce que j'ai besoin, quitte à faire quelques erreurs et à les récupérer, pour économiser mon cerveau, travailler en routine. Travailler en routine me permet de réfléchir, pas forcément à conduire, je peux réfléchir à la réunion que je vais avoir dans 3 heures, en parallèle. Mais c'est très important aussi. Et donc, cette espèce de réglage que j'ai entre la contrainte extérieure et le fait de bien utiliser mon cerveau, c'est ça le compromis cognitif. Super. Et tout ça, on pourrait dire que ça, c'est dans la gestion individuelle des ressources. Chez l'individu. Voilà. C'est le sujet de votre premier livre, La conduite des Absolument. Risques. Par contre, ici, vous développez aussi d'autres idées, c'est la gestion systémique, la gouvernance des systèmes à risque. Est-ce que vous pouvez développer? Alors, sur la gestion systémique, on a évidemment un modèle que Jim Reason a popularisé, qui est celui du fromage suisse, des plaques. Qu'est-ce qu'il dit ce modèle? Il dit, il y a tout humain fera des erreurs, c'est ce que j'ai dit avant. On va essayer que les erreurs ne se propagent pas jusqu'à l'accident, donc on va mettre des barrières. Mais le troisième temps, c'est qu'on a des managers qui ne font pas d'erreurs directes, mais qui font des erreurs latentes. Et ces gens-là, par la manière dont ils organisent le système, par la manière dont ils mettent une pression économique, un modèle économique, qu'ils mettent les ressources ou qu'ils ne les mettent pas, qu'ils donnent l'argent ou qu'ils ne le donnent pas, vont induire sur le système un style, une pression, une organisation de risque. Et c'est ça une vision systémique, c'est de remonter au management et de comprendre comment le management organise la pression sur les opérateurs qui travaillent. Et il y a des bons modèles pour faire ça, qui sont également des formes de compromis. Et il y a des mauvais modèles. Et les mauvais modèles vont être sanctionnés par plus d'accidents. Bon, vous avez développé l'idée des compromis cognitifs, mais il y a d'autres concepts qui ne sont pas trop développés au Brésil, dans le livre, comme un modèle écologique de gestion de risque, et puis suffisance de performance, la relation avec le compromis cognitif. Oui. Ça se comprend assez bien. Si on prend une route et qu'on prend conduire, on pourrait faire des routes qui fassent 2 mètres de large. Ça serait très difficile de conduire sur une route de 2 mètres de large. Il faudrait conduire à 20 km/h parce qu'on est vite sorti de la route. On pourrait aussi faire des routes qui ont un bitume avec des gravillons très dangereux. Et on ne le fait pas. On ne le fait pas parce que on laisse des marges. On crée des marges. Le monde crée des marges. Et donc, on va faire des routes de 8 mètres, avec des chaussées de chaque côté qui font 4 mètres, voire plus. Et ça va permettre de récupérer les erreurs quand on en fait. Parce qu'on a construit un monde qui est tolérant, suffisant. Et c'est pareil pour le travail. On ne va pas demander à un ouvrier, même s'il en est capable, de travailler 16 heures dans la journée. On va lui demander de travailler 8 heures. Il peut faire plus, mais il ne le fera pas longtemps dans ce cas-là. Si on veut durer longtemps,
on a intérêt à ne pas trop utiliser les gens, à laisser des marges. Et c'est ça la suffisance. Le monde est organisé, le monde du travail est organisé avec des marges. On n'est pas au maximum de sa performance pour être un bon ouvrier ou un bon manager. Jamais. En tout cas, rarement, très rarement. Ce n'est pas nécessaire parce que ce qui est considéré comme un très bon ouvrier ou un très bon manager, c'est encore quelqu'un qui pourrait faire mieux s'il utilisait toutes ses marges. Il ne le ferait pas longtemps dans ce cas-là. Ce qui est la limite du système. C'est pour ça qu'on met de la suffisance. C'est parce que la suffisance permet d'avoir des marges. Les marges préservent la durée. Or, il faut durer. Il ne faut pas juste être bon le mardi matin. Il faut être bon jusqu'au vendredi soir. Et c'est l'idée de préserver une espèce de vision écologique du travail avec des marges et des suffisances qui fait que le monde est aussi efficace. C'est vraiment, si on prend une métaphore, cette idée que le mardi matin, dans lequel on serait à fond, ou le lundi matin, on arrive du week-end, on serait à fond, à fond, à fond, on utiliserait toutes les capacités de l'entreprise. Ce n'est pas une bonne solution si on veut durer jusqu'au vendredi soir. On a intérêt à avoir un régime suffisant, économiquement rentable, et qui préserve l'homme. Et dans le fond, on n'est pas si loin que ça de l'idée de Taylor, mais c'est une idée évidemment revue avec le prisme de la modernité. Bon, là-dedans, il y a aussi toutes les discussions sur les concepts que vous développez de prévention, de récupération et puis de mitigation des risques. Vous pouvez développer un peu plus et donner un exemple. Ben, c'est assez simple, hein. Si on est à l'hôpital avec le risque d'infection, tout le monde connaît ce risque. On va organiser des barrières pour empêcher que l'infection arrive. Ce sont des barrières de prévention. On va demander aux gens de se laver les mains. On va demander de mettre de l'alcool avant de procéder à des effractions de peau. Donc on a beaucoup de barrières. On va mettre des antibiotiques. Donc on a beaucoup de barrières qui préviennent le risque. Mais ce serait naïf de croire que on peut empêcher le risque d'apparaître. Et donc, on va mettre des barrières qui acceptent que le risque apparaisse. Les infections, il va y en avoir à l'hôpital. Donc, ce n'est pas les barrières qui préviennent l'infection maintenant, c'est les barrières qui récupèrent l'infection qui comptent. On va essayer au maximum de les prévenir, mais quand on ne peut pas, il faut aussi récupérer. Et récupérer, ça veut dire qu'on va avoir des protocoles de détection, on va prendre la fièvre tous les soirs, tous les matins, la température. Et si la fièvre monte, on va commencer des traitements, on va mettre des antibiotiques en se faisant conseiller sur les antibiotiques. Tout ça, c'est la récupération. Et le patient, il passera un jour de plus à l'hôpital, mais ça ne sera pas plus. Ça sera récupéré. Et puis, on va admettre aussi que des patients qui attrapent une infection, on ne va pas arriver avec des antibiotiques à contrôler. L'infection va grossir et le risque vital va apparaître. Il risque de mourir, le patient. Et dans ce cas-là, on n'est plus dans la récupération, on est dans l'atténuation. On va lui éviter de mourir. Il sera probablement très fatigué, là. Mais la barrière de récupération, ça sera par exemple dans un service de l'hôpital de. J'étais à Cuiabá hier. Cuiabá. L'infection commence à être très importante. Cuiabá, c'est pas un grand hôpital. C'est décidé de le transférer à São Paulo. Ça, c'est de l'atténuation. Parce qu'à São Paulo, il y a des réanimations plus importantes qu'à Cuiabá. Et que donc, on va cette fois contrôler le risque de mort. Eh bien, c'est pareil pour tout. On a toujours ces trois barrières. Et fondamentalement, quand on a vu un risque, il faut développer les trois barrières et ne jamais croire que juste prévenir suffira. Il faut aussi croire que ça reviendra et donc il faut récupérer et croire que de temps en temps ça sera dramatique
et que donc il faudra mettre des barrières d'atténuation. Et si je prends un autre exemple, qui est la sécurité routière, on va réduire la vitesse, on va mettre des radars, on va informer les conducteurs, ça c'est la prévention. Mais on va aussi, je le disais tout à l'heure, faire des routes larges qui permettent de récupérer une erreur de volant. On va faire des erreurs. Les gens, ils peuvent. On est des milliers, des millions à conduire, il y aura des erreurs. Et donc, on va faire une ergonomie qui permet de tolérer l'erreur. On va mettre de la technologie comme l'ABS ou des systèmes de freinage qui permettent de récupérer les erreurs. Ça, c'est la récupération. Et puis, on va accepter l'idée que de temps en temps, on sort de la route. Elle est dans le modèle de sécurité, cette idée. Et là, on va faire de l'atténuation. Et on va mettre des ceintures de sécurité. On va mettre des airbags pour limiter la gravité de la victime. Très clair. L'atténuation et la mitigation sont la même chose. Oui. Mitigation en anglais, atténuation en français. Je ne sais pas comment c'est en portugais. On peut dire les deux choses, mitigation, atténuation. Bon, on ne peut pas échapper de la discussion des coutures de sécurité, comme vous parlez de tout ça. Vous parlez de sécurité, coutures de sécurité ici aussi. Par contre, coutures de sécurité, il y a plusieurs idées dedans, plusieurs approches différentes. Qu'est-ce que vous parlez de coutures de sécurité? Alors, il y a deux niveaux de réponse. Il y en a un qui est que c'est un terme qui est devenu populaire dans l'entreprise, fédérateur de discussion. Cheval de Troie. C'est comme la charge de travail. On ne sait pas la mesurer, mais c'est une bonne entrée pour discuter entre le management, les syndicats, les ouvriers, les ergonomes. Donc ça fait sens. Donc ça, c'est une. L'idée de cheval de Troie, c'est un outil pour rentrer dans l'entreprise que de discuter de la culture de sécurité. Alors après, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est pas la même chose selon les industries. Ça varie selon les industries. Et ce sont des valeurs, avec en conséquence des comportements. Donc il y a des valeurs d'exemplarité, de tolérance, de non-punitivité, de respect, d'engagement dans l'entreprise. On a tout un système de valeurs. Ce système de valeurs, il doit être partagé. C'est ça la culture de sécurité. Quand il est partagé par tous, c'est la culture de sécurité. Et il va donner lieu à des comportements derrière. Donc on a des valeurs profondes, qui sont des valeurs que les gens ont en eux. On a un système après de valeurs qui sont celles que l'entreprise souhaite vraiment mettre en avant, et puis après on a des attitudes ou des comportements. On reconnaît évidemment des modèles comme celui d'Edgar Schein sur ce système de valeurs. La question qui est vraiment importante, c'est que il n'y a pas d'entreprise sans culture de sécurité, mais c'est pas nécessairement celle qu'on veut. Il n'y a pas d'entreprise sans valeurs. Donc il y a toujours des valeurs. Il y a toujours des croyances. Il y a toujours des humains qui travaillent et qui ont construit une vision de leur entreprise, plus ou moins partagée. Donc on va travailler sur deux axes. Est-ce que les idées qu'ils ont spontanément, c'est celles qu'on voudrait qu'ils aient? Et ça, c'est un premier point. Et la deuxième, c'est. Et dans quelle mesure ils le partagent tous? Ou pas? Est-ce que c'est ce qu'on veut et est-ce qu'ils le partagent? L'idéal étant pour le management qu'ils partagent juste ce que le management souhaite. Évidemment, ça, ce n'est pas toujours le cas. Il peut y avoir de très grandes différences entre les valeurs que partagent les ouvriers et les valeurs que partage le top management. Dans ce cas, le problème, c'est l'alignement. Et c'est tout le travail qu'il y a à faire sur culture de sécurité. L'alignement, ce n'est pas un qui vient se mettre sous l'autre. C'est un chemin des deux, du top management dans ce qu'il souhaite,
et de la base des gens qui travaillent dans ce qu'elle voit de l'entreprise. Et c'est ce travail qu'on va essayer d'accompagner quand on est en intervention. Bon. C'est ça l'idée du modèle de sécurité réglée, sécurité gérée, l'articulation entre les deux? Alors non, pas complètement, ça en fait partie. Mais là, on est plus dans un modèle de sécurité purement. Mais c'est vrai qu'il y a un lien. On a deux composantes qui construisent la sécurité. Toutes les contraintes, les règlements, directions qu'on demande aux gens de suivre. Et puis d'un autre côté, cette capacité individuelle d'expertise que possèdent les gens et qui est la partie gérée. L'entreprise est en responsabilité dans son management de la partie réglée. Parce que c'est elle qui va progressivement régler le système, si elle le veut. Bien entendu, elle va devoir utiliser l'expertise et régler à un niveau qui permet encore d'avoir assez d'expertise pour faire le travail. Avec cette idée assez simple, c'est que si on règle totalement, on n'a plus d'adaptation. Si on veut de l'adaptation, et pourquoi on en voudrait? Parce que dans certaines entreprises ou dans certains métiers, on est face à l'inattendu beaucoup plus que dans d'autres. Donc si on est dans un métier médical, par exemple, où l'inattendu est le standard, on ne peut pas régler beaucoup. Donc on va laisser beaucoup les opérateurs s'adapter, et on aura au total un niveau de sécurité modeste. Si on est dans l'aviation, où on peut beaucoup régler, parce que dès qu'on n'est pas dans ce qui est prévu, on arrête l'avion, alors le niveau des opérateurs sera très contraint et très peu adaptatif. Et ça, ce sont des choix de système. Et à nouveau, c'est le travail du top management, mais c'est aussi le travail de conseil de l'ergonome d'amener l'entreprise à faire le bon réglage. Évidemment aussi, on peut avoir des périodes dans lesquelles le réglage est plus difficile, par exemple des périodes où on a un changement d'opérateur, les anciens ouvriers remplacés par des jeunes diplômés. Donc là, on a un déséquilibre du système, on est tenté de plus régler, et après, on va avoir un problème, c'est l'adaptation du système avec les nouveaux ouvriers. Et puis, dans ces systèmes-là qui vous dites, les ultra-sécures, les systèmes ultra-sécurisés, vous soutenez que la relation entre le risque et l'apprentissage, c'est une courbe en U. C'est-à-dire que les nouveaux, au fur et à mesure qu'ils apprennent, ils augmentent la sécurité, et puis il y a un petit moment de stabilisation, et puis la courbe s'inverse. Oui. Donc les plus expérimentés, les experts, ils sont en plus de risque, donc le système plus de nouveau. Oui. Alors la question, c'est est-ce que les experts qui dans ces systèmes, dans ces cas-là, ils mettent le système plus en risque que les nouveaux, ça n'arrive pas parce qu'ils le cachent tous les jours, pas ils cachent, mais en fait, ils sont en face des risques tous les jours, et puis ils réduisent le risque du système tous les jours parce qu'ils sont plus experts, et au bout d'un moment, on est en face d'un accident, et à ce moment-là, on va culper le... On va mettre la faute au niveau des experts. Ça clair la question. Oui, d'accord. Les systèmes sont conçus. Donc, effectivement, cette courbe en U, elle décrit trois phases. Une phase où les apprenants augmentent leur expertise et abaissent leur niveau de risque. Une phase de professionnalisme sûr qui optimise la sécurité par rapport à un niveau d'expertise, et puis une phase d'échappement où certains experts deviennent plus experts. Alors si on prend le modèle de l'aviation du nucléaire, qui sont des modèles ultra sûrs, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils amènent les gens dans une fenêtre de connaissance où tout est protocolé. Le normal est la norme.
tout est dans cette fenêtre. Il y a toujours une procédure. Donc, par exemple, si on est dans l'aviation, on a les procédures pour conduire normalement l'avion, et puis on a tous les cas de panne, tous les cas d'incident, et on a en face toujours une procédure. C'est ça une fenêtre de professionnalisme sûr. Il n'y a pas d'improvisation hors des procédures. Et donc, on est dans un domaine connu, puisqu'il y a des procédures, même s'il est anormal, même si c'est des pannes. Dans ce domaine très large, hein, puisque évidemment, un pilote il connaît beaucoup de choses, dans ce domaine très large qui lui est enseigné, il récupère aussi beaucoup de problèmes de pilote. Donc, ce n'est pas juste une fonction d'un modèle qui s'échapperait, le fait de pouvoir détecter des incidents. Le pilote, il sait détecter des incidents. C'est son métier. Mais il a des procédures derrière. Si on s'échappe, la différence, c'est qu'on s'échappe dans des domaines qui ne sont pas balisés par des procédures. La surexpertise, c'est d'échapper aux procédures et d'ouvrir des domaines nouveaux. C'est de faire des choses qui n'ont pas été balisées par le système, avec des vérifications que ça marche bien. Et donc, c'est d'être dans des domaines moins protocolés, moins procéduralisés. Évidemment, quand on en arrive à ce point-là, on prend des risques, puisque c'est moins organisé. Donc, quand on sort de la fenêtre, on prend des risques. Mais on peut arriver à faire parfois des choses exceptionnelles, parce que la fenêtre, elle est limitée. On peut arriver en sortant à faire des choses qui sont extraordinaires. Mais avec un risque qui est extraordinaire. Je prends l'exemple, on a des routes au Brésil comme ailleurs qui sont limitées en vitesse. 80, 100, 110, je ne sais pas jusqu'à combien vous allez, peut-être 120, 130. Ça, c'est ce qu'on apprend aux gens, c'est la fenêtre sûre. Si on roule à ces vitesses-là, le risque d'accident est très faible parce que le système est conçu pour être dans cette boîte-là. Mais si on est Fangio ou Ayrton Senna, on va rouler à 200 km/h, 220 km/h. Ayrton Senna, il va rouler très bien, mais il est mort. En roulant à ces vitesses-là, on meurt aussi. Donc, c'est la différence, c'est que ces experts vont pouvoir faire des choses que le commun des gens ne peut pas faire. Mais ils prennent des risques qui sont incroyables. Et leur compétence va leur permettre de réussir 10 fois, 15 fois, 100 fois, 1000 fois. Mais comme ce n'est pas procéduralisé, ils pourront aussi être la victime de la 101e fois. Je donne un autre exemple pour que ça soit clair. Je ne suis pas capable de partir monter l'Everest, ni l'Annapurna. Mais les gens qui y vont sont des très grands alpinistes. Ce n'est pas des petits alpinistes, c'est des très grands alpinistes. Et le risque de mort est de 1 sur 10 à l'Everest, 4 sur 10 à l'Annapurna. C'est-à-dire qu'on a 40% de chances de mourir en montant l'Annapurna en étant un des meilleurs alpinistes du monde. Alors bien sûr, ce sont des très grands experts, mais c'est pas très sûr. Si on reste plus modestement à monter la quebrada de Humacao, ou quelque chose qui est plus simple, on va pas mourir. Et comment déterminer ces limites de cette fenêtre entre ce qui est sûr et puis pas trop de compétences et puis C'est le système qui la limite. Chez les pilotes d'avion, on leur interdit de sortir de la fenêtre. Interdit de sortir d'une zone protocolisée. S'il n'y a pas de procédure, vous n'allez pas. Ferme. Parce que le système est autoritaire. Et beaucoup de systèmes ne sont pas autoritaires.
par exemple dans le domaine médical, où on a besoin aussi, parce qu'il y a un paradoxe, c'est que les experts gagnent de la connaissance qui un jour permettra d'agrandir la fenêtre sur. Mais pas tout de suite. Donc on va avoir des morts tout de suite, et plus tard, on aura une sécurité qui sera meilleure. Et donc, il y a des professeurs qui vont tenter des choses complètement en dehors de la fenêtre. Évidemment, ils vont avoir des patients qui vont mourir, quelques grands succès, et au bout d'un certain temps, des choses exceptionnelles. Alors c'est vrai, il n'y aurait pas de chirurgie cardiaque et de cœur artificiel si on avait laissé les gens dans la fenêtre. Puisqu'il faut qu'il y ait des gens qui sortent de la fenêtre et qui aillent chercher des improvisations nouvelles. Mais pour avoir un taux de survie actuel, combien de patients sont morts? Combien faut-il régler de temps le système pour permettre ça? C'est tout l'enjeu de autoriser ou pas de sortir de la fenêtre. L'aviation dit, moi, je ne veux pas prendre de risque. Tant pis si j'apprends rien, mais dans la fenêtre, je suis sûr, c'est le service que je dois aux passagers. Je ne vais pas promettre aux passagers des pilotes qui improvisent. Mais dans ce cas-là, par exemple, je me rappelle d'accident Air France Rio-Paris. Oui. Donc ça c'est bien, je pense, un exemple de quelqu'un que des pilotes qui ne sont pas sortis de la fenêtre, parce qu'ils ne savaient pas sortir de la fenêtre, parce qu'il y en a un problème. Ils ne savaient pas sortir. Ils ne savaient pas sortir. Et ils ne sont pas sortis. C'est qu'à cause de ça qu'ils sont morts. Non? C'est une forme de résumé. Oui. C'est un résumé un peu excessif, mais pas loin de recouvrir une part du réel. Oui, ils sont rentrés dans des conditions rares, de gel très agressif, qui a gelé les sondes qui prennent les informations dans le monde extérieur. Ils ont eu des informations qui sont devenues totalement inexactes, et pas supprimées, mais inexactes sur le tableau de bord. Ils n'ont pas compris. Ils ont cru appliquer une procédure. Ils ont cru. Parce que le système disait des sottises et ils ont suivi les sottises. Et après, ils étaient pour récupérer l'avion qui commençait à être en décrochage, en stroll. Ils n'avaient pas de formation pour ça. On ne leur avait pas appris dans la fenêtre. Donc, ils ne pouvaient pas le faire. Et oui, c'est un peu un accident. Si on avait eu un pilote exceptionnel, peut-être qu'il aurait récupéré ça. Mais l'aéronautique n'en veut pas. Parce que la fenêtre garantit 10-6, moins d'un accident par million. Si on autorisait les pilotes à improviser, c'est ce qu'on faisait avant, on était à 10-4. Donc pour sauver un accident, on en aurait 100. C'est pour ça aussi que l'accident du pilote qui a atterri dans la rivière Hudson River n'est pas considéré du tout par l'aéronautique comme quelque chose qu'il faut apprendre aux pilotes. On est en dehors de la fenêtre. Le modèle est stable à 10.6 dans la fenêtre. Il n'apprend plus, il ne progresse plus. Mais 10-6, c'est exceptionnel. Et c'est un service aux passagers. Et ni le nucléaire, ni l'aviation n'est prête à redonner de l'autonomie aux opérateurs, parce que dans le passé, quand ils avaient l'autonomie, le système était à 10-4, 10-5. Donc ces genres d'accidents comme au Rio-Paris serait un peu le prix à payer de... Oui. Oui. C'est un accident qui est un risque à 10-7 ou 10-8 dans un modèle à 10-6. Donc c'est dramatique pour les gens qui étaient dedans. Mais la preuve, on n'a rien fait derrière. On n'aura pas appris aux pilotes à sortir de la fenêtre. On ne les entraîne pas et c'est interdit. La seule chose qu'on fasse, chez les humains, ça marche très bien.
ce qu'on appelle les vaccinations cognitives. L'aéronautique diffuse à tous les pilotes de cet avion les détails de l'accident. Et notamment l'approche des premiers symptômes, là où il est encore assez facile de réagir. Et ça marche très très bien parce que, qu'on soit pilote au Brésil, en Afghanistan, du moment qu'on vole sur cet avion, on a immédiatement la connaissance de l'accident, ce qui est une force dans cette industrie. Et les pilotes en parlent, ça devient « celebrated cases », et ça leur donne une vaccination. Ils savent que s'ils arrivent dans ces zones-là, il faut qu'ils fassent très attention, parce qu'il y a un copain qui a eu un accident comme ça. Et donc, ils ne se comportent plus avec une exposition au risque. Ils évitent. Par exemple, là, cet avion est allé à travers les nuages, mais de plus en plus, il contourne. Mais ce n'est pas une solution très, très, très dure. Ce n'est pas une solution de type... on va former les gens à récupérer l'avion en condition de décrochage. Comme ça, c'est jamais, jamais, jamais. Est-ce que l'anticipation peut changer une situation comme ça, par exemple, avant de rentrer oui. dans la tempête? Oui, mais ce n'est pas la leur. L'anticipation qui marche la mieux, ce nuage qui portait des cristaux très particuliers, qu'on connaissait peu, très agressifs. Depuis, on a mis plusieurs universités internationales dans la compréhension et la modélisation de ces cristaux de glace. De sorte à ce que le contrôle aérien et la météo internationale sachent les dépister. Donc maintenant, le weather forecast, le bulletin dont disposent les pilotes, est mieux informé sur la place de ces nuages. Et évidemment, l'instruction, la procédure, maintenant, dans la fenêtre, c'est de les éviter. Donc on a progressé sur ça d'une certaine façon. L'anticipation, elle ne vient pas des pilotes tellement. Elle vient du superviseur. Du superviseur. Qui a, dans l'aéronautique, des capacités extraordinaires. De météo, de contrôle, etc. Côté pilote, l'anticipation, c'est d'éviter. Parce que dedans, il n'y a pas d'anticipation. C'est... 10 secondes, on est dans le problème. Et on ne peut pas penser que ça sera différent demain. Donc ça change un peu l'idée des systèmes de retour d'expérience des industries qui normalement on demande, on défend au moins dans la littérature que les opérateurs amènent les signaux faibles, par exemple le système, pour qu'ils intègrent le système de gestion, etc. Et puis donc dans les systèmes ultra-sûrs comme l'aviation et le nucléaire, En l'occurrence, là, il y a quand même des systèmes, des signaux faibles, puisque pour des pilotes, d'abord, avant cet accident, on a eu 15 incidents similaires. Pas un, 15. Dans le monde. Il se trouve que pour les 15 incidents, les pilotes n'ont rien fait, rien touché. Et l'avion a traversé, puisque c'est une zone courte, a traversé, et puis a continué. Le retour d'expérience de ces signaux faibles à l'époque n'était pas celui qu'espérait le constructeur. Parce que pour le constructeur, l'idée c'est que les pilotes devaient diagnostiquer que la machine marchait mal. C'est ça la procédure. Les pilotes diagnostiquent que la machine marche mal et doivent faire une procédure un peu fine, sans toucher aux commandes. Ils ne l'ont jamais fait sur les 15. Mais les 15 fois où c'est remonté, il ne s'est rien passé. Donc le constructeur et les autorités ont dit, ben, finalement, ce n'est pas un risque catastrophique. Ils n'appliquent pas la procédure qu'on leur a donnée, ils font rien, et ça marche. Mais cette fois, sur le Rio Paris, les pilotes ont fait. C'est la grande différence. Tous les autres pilotes, ils n'avaient rien fait. Cet équipage a fait. Peut-être parce qu'ils ont été moins expérimentés sur ce genre de problème, moins. Et là, dès qu'on touche à l'avion, après c'est sur 1 minute 30, c'est tellement court pour la commission. 1 minute 30, c'est rien du tout. C'est 90 secondes pour perdre le contrôle.
90 secondes pour perdre le contrôle. Très très court. On n'a pas le temps après de. Quand on commence à toucher, c'est un peu comme quand on. Il y a des choses, il ne faut pas les toucher. Mais si on commence à les toucher, on ne sait plus où on en est. Ben, c'est ce qu'ils ont fait. Donc aujourd'hui, sur ces signaux faibles, on leur réapprend que quand ils ne comprennent pas, il ne faut pas qu'ils touchent. C'est une forme d'apprentissage. Pas très solide, mais c'est une forme d'apprentissage. Tu ne comprends pas, tu ne touches jamais. Donc, bon, on a des systèmes comme des systèmes de gestion de sécurité comme le système STOP des Dupont. Vous parlez un peu dans le livre aussi de ce système. Donc, vous pouvez développer un peu ça et qu'est-ce que vous pensez Oui, on a les systèmes humains, pour toutes les raisons que j'ai déjà dites, sont rarement en conformité totale aux procédures. Dans le monde de la sécurité du travail, ça s'applique au port des vêtements de sécurité, port du casque, port des lunettes. On a énormément d'ouvriers qui ne portent pas ces équipements. Donc il y a une déviance qui s'installe et qui est souvent tolérée par tout le monde parce que le travail s'effectue plus vite. Si on a des lunettes qu'on ne voit pas bien avec, on va un peu doucement. Parfois, on n'a pas, l'entreprise n'a pas les équipements complets. Parfois, ce n'est pas la bonne taille. Parfois, le fait de porter l'équipement pour juste une minute de travail, c'est 3 minutes pour mettre l'équipement, 3 minutes pour le quitter pour 1 minute de travail. Ce n'est pas jugé très rentable. Et en retour, les opérateurs sont assez d'accord avec ces idées-là parce que ça les embête aussi de porter tous ces vêtements. Et donc, ils sont eux aussi dans la déviance tacite. Sauf quand il y a des accidents. Mais tant qu'il n'y a pas d'accident, c'est une espèce de déviance tacite. Alors, qui peut changer ça dans l'entreprise? Sûrement pas la direction, parce qu'elle est intéressée à gagner les minutes de travail et à avoir une meilleure performance. Pas vraiment les ouvriers, parce que ils vivent ces contraintes, ils vivent les équipements de sécurité comme des contraintes. Pour eux, c'est chaud. Quand on doit travailler dans l'ambiance chaude et qu'il faut en plus porter un gilet, un casque, qui fait 40, on a plutôt envie de les quitter. Alors, les seuls qui peuvent faire quelque chose, c'est les managers de proximité, les frontline managers. Et qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme méthode? Ils vont utiliser des méthodes basées sur les comportements. Behavior-based strategies, BBS. Et la méthode de STOP de Dupont est une BBS, une Behavior-based strategies, avec deux variantes, mais en gros, l'idée, c'est de créer une culture locale du partage de l'information, de sorte à auto-bloquer le système par le fait que chacun, disant à l'autre, tu ne portes pas le casque, je t'ai vu, avec soit directement les ouvriers connectés entre eux, soit le frontline manager qui induit cette culture et puis qui après relaye cette vision. Le simple fait de dire à quelqu'un tu ne portes pas le casque et c'est pas bien, et que ce soit moi qui te le dise, qui suis ouvrier comme toi, ça va limiter ta déviance. Et petit à petit, on ramène les gens sur une culture de groupe qui fait que chacun va dire à l'autre, tu n'as pas le bon comportement. Et c'est ça les méthodes de behavior-based strategies. Alors, ce sont des très bonnes méthodes qui arrivent à, dans une entreprise qui ne porte pas de casque, pas de gilet, on arrive à revenir à l'observance en moins de 6 mois pour 95%. Des opérateurs. Donc c'est très très efficace. Seul problème, ça ne dure pas. C'est-à-dire que, d'abord, Dupont se fait payer très cher, mais les autres qui font le même type d'approche se font payer très cher. Le problème, c'est qu'on a un effet Hawthorne aussi, l'effet Elton-Mayo.
C'est-à-dire que quand on prend un groupe et qu'on le fédère autour d'un objectif, qu'on l'entoure, qu'on lui donne des éléments, il se valorise. Et donc on a un effet de réussite qui est en partie lié au fait qu'on considère le groupe. Mais quand on le laisse après sur de longues périodes sans revenir le voir, il se remet à dévier. Donc ce sont des bonnes méthodes, surtout pour des objectifs comportementaux de type port de vêtements, de sécurité, etc. Ça marche. Ça ne marche pas dans la durée. Et donc il faut sans arrêt revenir et refaire le travail. Il suffit d'avoir levé le frontline manager, de l'avoir remplacé, et puis hop, ça commence à plus marcher. Il faut remettre, ou qu'il y ait un turnover des ouvriers trop important, et on va, 6 mois plus tard, on a le même niveau qu'on avait avant de déviance. Donc c'est comme un système de contrôle, mais pas le contrôle de la gestion Il n'y a directement. pas de pénalité, il n'y a pas de punition, c'est uniquement un système de groupe. C'est le groupe qui s'auto-contrôle. Et le rôle du frontline, c'est de finalement faire passer cette idée que chacun doit dire à l'autre, librement, tu ne portes pas ton équipement. Mais quelle sera la motivation d'un opérateur de dire ça aux collègues, si il-même, par exemple, s'il ne trouve pas trop de sens, en fait, de mettre, comme vous avez dit tout à l'heure, à cause des contraintes, de pas de mettre de la casque ou des lunettes. Le fait est, c'est que c'est le frontline manager qui va réimpulser l'idée de la nécessité de porter ses équipements. Et puis, il y a derrière le côté, c'est le challenge du groupe. On est un groupe, notre challenge, c'est de ne pas avoir d'accident. Donc, on ne va pas le dire sous forme d'équipement, on va dire, notre challenge, c'est de ne pas avoir d'accident. Et donc, on va vraiment se battre là-dessus, on va avoir une attitude. Indépendamment des gens qui nous regardent en haut, on va se battre pour nous. Et donc, évidemment, on va mettre aussi de la valorisation, le groupe va être cité, il va être montré. C'est ça aussi qui crée l'effet hauteur, qui est un effet moins bon que les autres, puisque c'est un effet qui risque de pas durer. Et le problème, c'est qu'il faut former les managers à faire ça. Ça ne se fait pas spontanément. Donc, quand on achète Dupont, stop, ou quand on achète une méthode, c'est eux qui viennent faire cette énergie du groupe, ce travail sur le groupe. Mais dès qu'ils sont partis, si on n'a pas formé ses propres managers, ça disparaît. Donc c'est un bon modèle, à votre avis, par rapport à l'utilisation des pays. C'est Pour un ce sujet qui est, très compliqué. oui, mais pour ce qui est des portes de vêtements de sécurité, c'est surtout là où il a été bien montré. C'est un modèle qui obtient des résultats sur le court terme très efficaces. Sur le court terme très efficaces. L'observation de ces comportements, ce qu'on peut voir dans la situation Voilà, critique. exactement. C'est facile à voir. Parce que c'est de l'autre partie, de l'invisible. L'invisible, ça marche beaucoup moins bien. Est-ce que vous voulez Fatigué? Non. Dire quelque chose d'autre? dire quelque chose pour finir? Je ne sais pas si on pourrait aussi explorer cette question. Il y a la question que vous êtes, il y a longtemps, la question de la normalisation de la déviance. Oui. C'est peut-être, si vous pouvez peut-être Oui, ben, les systèmes sont. Tous les systèmes sont conçus avec une sécurité de papier. Qu'est-ce que c'est qu'une sécurité de papier? C'est une sécurité qui vise d'abord à démontrer par une analyse du risque formelle et par un document qu'on a bien fait le travail de sécurité. Et cette sécurité de papier, qui répond souvent aux tutelles, aux autorités, qui montre qu'on sait bien faire, elle est toujours excessive. Donc sur le papier, on a une sécurité parfaite, qu'on veut parfaite. Alors on fait des analyses de risque, on met des barrières, tout est décrit, il y a des schémas. Et c'est donc le papier qu'on remet aux autorités en disant, regardez tout ce que je fais. Mais c'est tellement contraint, sécurité ne va pas avec performance, que l'entreprise ne peut pas travailler au niveau de performance qu'elle veut avec cette sécurité de papier.
Et donc, s'il n'y a vraiment pas eu du tout d'intelligence, c'est déjà le cas quand il y a de l'intelligence, mais s'il n'y a pas eu du tout d'intelligence, et si le document papier est très excessif, le jour d'après, l'entreprise a besoin d'un niveau de performance qui n'est pas compatible avec ce qu'on a écrit. Et donc le système commence à dévier pour atteindre le niveau économique qui est nécessaire à l'entreprise. Et par exemple, on va dire, l'entreprise doit, dans un hôpital, on va dire, les gens doivent se laver les mains chaque fois qu'ils touchent un patient, les infirmiers, avec du savon. Mais le temps, alors ça c'est bien sur le papier, mais le temps nécessaire à se laver les mains représente 2 fois le temps de travail de la journée, à la fin de la journée. Si on regarde le temps réel, qu'on le chronomètre, c'est 2 fois le temps passé auprès des patients. Alors évidemment, ça ne marche pas. Les gens, dès qu'ils sont mis au travail, on leur dit, vous faites tous les patients. Et là, ben, ils n'ont plus le temps de se laver les mains. Et donc, ils dévient. Ils se lavent les mains 1 fois sur 2. Ils se lavent les mains pour les patients sales. Ce n'est pas la même chose que ce qu'on voulait faire. Et donc cette déviance, très rapidement, elle est quasiment tolérée par la direction. Parce que sinon, si l'infirmière dit, ah moi je me lave les mains tout le temps, mais j'ai fait que 2 patients ce matin. On lui dit, non, tu fais 20 patients et tu te laves les mains en plus, mais ça on ne regardera pas trop. Et donc, elle va faire ses 20 patients, elle va dévier. Forcément, après une certaine tolérance de la direction, elle va en tirer aussi des avantages. Parce qu'elle va dire, bon, alors finalement, on me dit tout ça, mais on me dit de faire l'inverse. Et à partir de ce moment-là, le système s'installe dans une zone qui est une zone illégale, normale, qui est une zone tolérée par tout le monde, qui devient la norme, et qui continue pour certains à migrer, c'est-à-dire que certaines infirmières. Et franchement, c'est vrai parce que ça a été observé, ne se lave jamais les mains. Jamais. Et donc, il y a toujours un pont plus loin. Et alors là, après, on revient dans les méthodes BBS, Behavior Based Strategies, parce que comme tout le monde tolère le fait qu'on ne puisse pas se laver les mains pour tous les patients, où est la limite? Et c'est le groupe qui va définir la limite. C'est donc le frontline manager par les méthodes BBS. Bon, là, c'est pas du pont stop qu'on fait à l'hôpital, mais c'est une méthode qui ressemble. On va essayer de contrôler le groupe pour qu'il le fasse suffisamment, sans aller prendre des risques trop grands. Voilà les problèmes de migration. Et c'est Jens Rasmussen qui était à l'origine de ces idées sur les migrations en disant que tout système migre, il n'y a pas de système stable. Et puis, Et donc, je le rappelle, c'est l'excès de réglementation de départ sur le papier qui crée la migration. Parce qu'il y a un handfit entre ce qui est le modèle théorique et ce qu'on a besoin comme performance réellement. Et ça ne va pas avec. Et comme ce n'est pas réaliste, ben c'est toujours la performance qui gagne, c'est jamais la sécurité. Et donc la normalisation de la déviance, c'est la tolérance de la gestion, en fait, pour oui. Le non-respect des règles, certaines d'entre elles, les règles d'or, par les opérateurs. Oui. Et puis donc elle la tolère et éventuellement, elle intègre cette... Et après, elle intègre aussi des avantages pour les opérateurs, cette tolérance. Parce que pour que tout le monde soit dans l'acceptation de ça, il faut qu'il y ait des avantages pour la direction et pour les opérateurs. Et pour les déviances que la gestion elle ne connaît pas forcément. Ça rentre aussi dans nos systèmes. Structurellement, il ne migre pas. Oui. La direction, elle ne veut pas savoir trop. Elle veut de la performance. Donc elle veut la performance. Tu te débrouilles comme tu veux. Donc si tu me parles de la direction générale, ils ne connaissent pas les déviances. Ils ne veulent pas les connaître. Ils veulent la performance. Les seuls qui connaissent la déviance, c'est les frontline managers. Eux, ils la voient. Eux, ils la connaissent. Et évidemment, les gens qui travaillent. Et donc, c'est vraiment très micro-local.
C'est le problème pour l'ergonomie. C'est que cette déviance, il faut être sur le terrain beaucoup pour la voir et en confiance. Sinon, on ne la voit pas. Les gens la masquent. Et donc, on croit qu'ils travaillent comme ça, mais en fait, ils travaillent autrement. Et c'est vraiment le métier d'ergonome que de connaître le réel. Sans forcément, stupidement dire c'est interdit de faire comme ça, puisque tout le monde est d'accord pour faire comme ça. Il faut connaître le réel et après avoir une certaine intelligence à le gérer. Parfois en autorisant, et parfois en disant, mais ce sont les règlements qui sont stupides. Vous avez mis des règlements qui sont complètement impossibles à suivre. Il faut ajuster les règlements et non pas poursuivre les opérateurs. Par rapport à l'origine des erreurs, vous parlez dans le livre de la question de ce qui est au début, on parle beaucoup de la surcharge au travail comme l'origine des erreurs. Et aujourd'hui, on est aussi en face de la surcharge. Oui, et de la complexité. Et de la complexité. Faire face à la complexité. Est-ce que c'est deux, on a aussi les deux ensemble, comment. Ah, la solution de la complexité dans la plupart des systèmes, c'est la technologie. C'est d'essayer d'échapper au contrôle par l'humain, par un niveau de technologie qui prend le relais. En aviation, c'est le cas dans beaucoup dans le domaine. Évidemment, on se condamne au fait que l'opérateur humain ne pourra pas reprendre en main la situation quand l'automate ou la technologie n'y arrive pas. Mettre hors de la C'est pas possible de reprendre la main. Si on l'a donné à l'automate dans le système très complexe, on ne reprendra pas la main parce que c'est trop compliqué pour un humain. Et donc, on met les humains dans des positions où ils gèrent un système par l'intermédiaire de la technologie, mais eux-mêmes ne sont pas capables de le gérer. C'est si complexe qu'ils ne sont pas capables de le gérer. C'est un pari. C'est le pari actuel de la société. Évidemment, on va beaucoup plus loin dans des domaines beaucoup plus complexes, beaucoup plus performants. Est-ce que c'est sage? Ça l'est dans le sens où la technologie, comme elle est entièrement cartésienne, elle est très sûre. Mais 10 moins 6, c'est pas zéro risque. 10 moins 10, c'est pas zéro risque. Donc, il y aura des accidents. Et à ce moment-là, il ne faudra pas accuser les humains qui sont au front line, parce qu'eux, ils ne peuvent pas reprendre du tout ce genre de système en main. Ils sont des passagers qui vont mourir avec le système. Mais c'est le pari qu'on a fait. Faire progressivement un transfert de compétences sur des systèmes de très haute technologie en mettant les humains dans des positions, alors quelques-uns mais très peu de superviseurs qui connaissent, et la plupart des opérateurs dans des positions d'exécutants, intelligents mais d'exécutants. C'est un pari de société aussi, hein. Parce que, évidemment, se trouver progressivement prisonnier de la technologie au point de ne pas pouvoir l'arrêter ou de ne pas pouvoir la contrôler, c'est une position alors que la société absecte petit à petit et dont on dit qu'elle est bonne pour l'humain parce qu'elle lui libère du temps, elle lui libère du travail pénible. Donc le travail est moins pénible, il est plus court, donc les gens ont plus de repos, plus de temps libre, gagnent de l'argent à peu près de façon équivalente, mais le côté je sais faire, je contrôle, est perdu, petit à petit. Et il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Alors après, est-ce qu'on perd du travail au sens global? Notamment, est-ce que c'est un lien au chômage, ce transfert de la technologie? Ça, c'est moins sûr. C'est beaucoup dit, mais c'est moins sûr. Parce que quand on prend, par exemple, l'arrivée de l'imprimerie au temps de Gutenberg,
on a mis des centaines de milliers de moines au chômage, dont le seul travail était d'être copiste, de copier des livres et de faire des livres à la main. Vous prenez un livre, le recopiez, et des milliers de moines recopiaient le même livre, et ça faisait 1000 livres. Il est arrivé Gutenberg, avec des imprimantes, et ça a supprimé le travail des copistes, qui se sont arrêtés en moins de 100 ans. 80 ans, il n'y a plus eu de copistes. Des milliers, il y en avait. Mais l'imprimerie a créé une vague qui a créé plus d'emplois que les copistes qu'on avait supprimés. Donc, chaque nouvelle technologie supprime des emplois et crée de nouveaux emplois. Et le problème, c'est qu'elle ne les crée pas sur les mêmes métiers. Donc, on a des perdants qu'il faut gérer dans le cadre de nos sociétés. C'est assez compliqué parce que ces perdants, ce sont des victimes de la société. Ils perdent leur travail. Même si de nouveaux travaux sont créés, ce n'est pas pour eux. C'est pour d'autres humains. Et donc, on a aussi, en tant qu'agronome, à gérer ces transitions où on a des métiers entiers qui disparaissent, avec des gens qui deviennent chômeurs, qu'il faut reconvertir. Mais ce n'est pas eux qui sont les gagnants du nouveau système. Mmh. Les gagnants du nouveau système, ça peut être des jeunes qui sortent maintenant avec un peu de diplôme et qui vont prendre la suite dans un nouveau contexte. Ça, c'est difficile pour nous. Thank you. Merci beaucoup pour ce moment très riche de discussion. C'est super. Ça va.